Yo tout le monde, c'est Kenan, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, dans cette vidéo, on se retrouve sur Outlast 2. Donc, dans la dernière vidéo, on s'était laissé là, il fallait trouver un canoë. Sauf que j'avais galéré car, en fait, dans les alentours, il n'y a pas de canoë en fait. Et du coup, je dois aller le chercher ailleurs. Comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, likez, commentez, partagez, activez la cloche des notifications et abonnez-vous. Et du coup, bon là, j'ai déjà commencé, donc je récupère la pile. Le début de cette vidéo, je vais le speedrun parce que maintenant que j'ai vu ce qu'il fallait faire, je connais. Alors voilà, parfait. Donc voilà, en fait, depuis le début, il fallait que je rentre ici. Que je passe par cette fenêtre. Et que je monte en haut, voilà. Comment je peux traverser ce lac? Une tour radio ou une liaison hertzienne? Une civilisation peut-être? J'étais assez stupide pour penser que je pourrais m'en sortir. Ah, donc on la voit de là, la tour? La fameuse tour à onde psychique, là, on la voit? Attends. Ouais, c'est peut-être... Ah ouais, c'est ça, là. Oh là là. Je pensais pas qu'on pouvait la voir. C'est trop bien. Je sais pas par où passer. Alors je vais tenter quelque chose. Je sais pas si ça va marcher. Non, non, non. Avant de tenter, attends, je vais voir s'il n'y a pas un autre endroit. Ok, il n'y a pas d'autre option. Pas de souci alors. Trouvez ce message, revenez immédiatement. Voilà. Temple Geist pour dire à Papa Knot que les horreurs et les tourments
qui se trouve ici met à l'épreuve ma foi en Dieu. L'homme seul ne peut lui faire face. L'ennemi attend dans les ténèbres. Que Dieu sauve mon âme de la vôtre. Donc alors, apparemment on est dans un endroit encore plus horrible que le village. Et je crois savoir pourquoi, je crois comprendre. Parce que je connais l'histoire du jeu. Je crois comprendre. Tout à l'heure, on a filmé un truc à propos d'une tour. Et en fait, plus on est près de cette tour. Un radeau, tu peux le traverser avec ça. Moins c'est bien. Là j'ai trouvé le fameux radeau qu'on cherche depuis un moment. Et il se conduit avec une seule touche. Ah d'accord, on peut pas avancer pendant qu'on filme en fait, d'accord. Comment ça se fait que je vois même plus, je vois plus rien. Oh, il y a eu encore une lumière dans le ciel. Ce sont les signes. L'apocalypse. J'espère que j'ai juste perdu la raison. Oh, tous ces poissons morts. Donc après le gameplay, je vous ferai une vidéo où je raconterai l'histoire du jeu. D'ailleurs, j'ai fait ça que pour Resident Evil 7, hein, le fait de vous raconter l'histoire du jeu. Par contre, je l'ai pas fait pour le premier Outlast. Et puis voilà. Ok, attends, là ça se complique. Je me trouve où là? Je dois aller là-bas. J'ai compris. Allez, avance! Par là. La conduite du radeau, elle est un petit peu à chier, mais c'est pas grave.
Allez, merde. Wow. Les voilà. Ils ont pris Lynn. J'y suis presque, Lynn. La secte veut sa mort. C'est un chrétien. Dieu m'a dit qu'il devait mourir. Mais les autres, les hérétiques, veulent qu'il me menace. Défier Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont voir qu'il n'y a pas de bébé? Je dois... Seigneur. Lynn, j'arrive. Mais non, mais là, je fais carrément demi-tour, hein. Par là-bas qu'il faut aller. Non, je dois aller dans le sens du courant. Et je sais plus où je me dirige. Dans quel sens il va le courant là ? Ok, il va par là-bas. Mais non, me dis pas que je suis bloqué. Non. Ah non, c'est bon, c'est vrai que j'avais ma caméra et qu'on peut pas avancer avec la caméra. Ouf.
pas de nous expliquer ce qui se passe. Bah, je crois que je dois aller là. Hein. Là où il y a les cadavres bizarres là. Enfin non, les poissons, je veux dire. Ah mais je dois passer par là en fait. Ce radeau n'a pas pu aller très loin. Tu es en tant qu'avertissement ou en tant que bienvenue. Nous sommes tous les bienvenus. Alors au fur et à mesure du jeu, il y a un truc que sans doute tout le monde a remarqué, c'est que notre personnage est devenu... j'ai envie de dire qu'il est devenu comme eux, quoi. Presque comme eux. Bon, attendez, le radeau est là. Mon personnage sait nager, donc techniquement, si je saute... Et que je veux au radeau, ça devrait le faire, non? Parce que là, c'est de là où je viens. Attendez, on va voir. Hein. Exactement, c'est de là où je viens. Ah, mais quoique, c'est bien, vous allez là. Bah, il n'y a plus le radeau. Ok, d'accord, bah, je crois que je vais faire comme j'ai dit, je vais sauter. Hein. Ouais, donc voilà, le radeau est juste là. C'est bon, je sais parfaitement ce que je vais faire. Ah, vas-y, vas-y, le pire, je t'en fous. Le pire, c'est pas grave, tu sais nager, regarde. Non, mais non, mais non. Il est là-bas, le radeau. Bah ouais, regardez ça. Regardez ça. Le mec là, le monstre de l'école, il vient me faire chier jusqu'à dans la vraie vie. Ok. Enfin, la vraie vie dans le jeu. Le radeau peut pas être bien loin. Il peut encore arriver. Là-bas. Le radeau. Il me fait trop rire le personnage du poids. Par contre, on est d'accord que je dois sauter là, j'ai pas le choix. Oh mais d'accord. Je sais pas quoi.
Je crois que je suis bloqué. Ah non, c'est bon. Là-bas, on peut voir quelque chose qui se passe là. Il y a tout le monde qui est affolé avec des torches. Le jeu commence à devenir de plus en plus bizarre. Hein. Franchement. Oula, oula, wesh. Ouais, il faut tomber des cadavres. Il y a un cadavre qui a cassé mon bateau. Et ils sont tombés d'où? De la lune. Merde. Les pauvres morceaux de bateau. Ah non, ça met pas un monstre. Bah écoute, ça fonctionne toujours, hein, tant mieux. Ah, bah attends. Je passe par où? Ah ben voilà. Mais non, 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 non. Aïe 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 aïe. Non mais c'est quoi cette piscine sans fin? C'est bon, tu me poursuis plus. Wouh. Ok. Il y avait le monstre avec toutes les langues qui me poursuivait dans la piscine. Ça faisait peur. C'est fermé. Ok, là ça devient louche. Vu que c'était louche. Quoi? Ah, c'est des hémorroïdes. Non. Dégueulasse. Pourquoi t'as été chez les garçons, hein? Ça peut m'arranger.
maintenant. Jessica, elle vient de rentrer chez les garçons. Ok, attends. Merci. Merci, monsieur le portier invisible, là. Il y a un portier invisible qui m'ouvre les portes, ouais. Bon, il y a plein d'ordinateurs, c'est intéressant. Et là, c'est ouvert. Merci. Oh merde! Aide-moi! Blake! Blake! Non! 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 Allez-vous-en! Non mais d'accord. Oh ouais. Alors, maintenant il pleut dans la vraie vie. Et c'est pas de l'eau. Comment tu veux éviter de marcher dans le sang? Comment tu veux éviter? Il y en a de partout. Ouais, donc là, le jeu commence vraiment à devenir... commence vraiment à y avoir une ambiance vraiment sale. D'accord. Non.
Oh, la porte s'est fermée tout seul, mais il y a quelqu'un qui me poursuit. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, ah, ah. Ok, donc là ça devient flippant. Non. Où je passe? Ok, vu. C'est bon, attends. Je dois passer par là. Ah non. Ah, ben voilà. Nous avons essayé de la récupérer avant que l'ennemi déchire son ventre. Mais... ils nous ont tués. Les méchants ont été tués. Partez. Nous devons partir. Il faut y aller. Il a dit les plus chanceux ont été tués. Ça veut dire qu'en gros si tu ne fais pas tuer tu vas souffrir. Genre. Alors au mieux... Oh mais passe, allez. Oh non. Non, 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 et non, et non. Non, et non. Je refuse. Je passe à peine dans un passage. Et bien évidemment, voilà, là je passe, je peux pas retourner dans la vraie vie. Bah non, bah non. Voilà, je suis obligé de rester dans l'école. J'aime pas l'école. Il y a le monstre à tentacules. Je l'aime pas. Ok, super. Ok, ça s'ouvre pas. Là, ça s'ouvre. Voilà. On ouvre la porte brutalement. Oh putain! Blake Jessica. Il y a Jessica 82 et Blake in the machine. Donc ça c'est Jessica et Blake qui discutent par ordinateur donc. T'es là, salut, ça marche, c'est bizarre, je te vois écrire sur l'ordinateur, tourne-toi. Oh, tourne-toi. Oh non, 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 non. Putain, il y a le Jessica pendu. Je me suis tourné en plus. C'est ça le pire, c'est que je me suis tourné. Ah, pire. Oh.
Bon, là, il n'y a aucun ordi allumé. Je vois pas l'intérêt de cette pièce. Ah, je vois. Fermé. Est-ce que c'est ouvert maintenant, s'il te plaît? Je passe par où? Maintenant, il n'y a absolument rien ici. Je pense qu'il y a une vitre de cassée, non? Par laquelle je peux passer. Bon, d'accord, mais je passe pas. Et je vois vraiment pas par où je dois passer là. Je cherche une dernière fois et puis si je trouve pas on va s'arrêter là. Hein. Ça fait déjà un moment, on a bien avancé hein, entre le canoë et tout là, ce qui s'est passé. Ah non, il y a un autre ordi, attendez. Ah non, c'est l'ordi tout à l'heure là où c'est marqué tourne-toi. Ouais bon ben au pire on va s'arrêter là les gars, vous savez quoi, on va s'arrêter là en espérant que la vidéo elle vous a plu. En tout cas moi je suis content, j'ai bien avancé parce que je me souviens que dans la dernière vidéo j'avais vraiment galéré. Là ben, à chaque vidéo je galère mais bon là on a bien avancé. Si vous aimez si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, activez la cloche des notifications et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine, c'était Kenan, ciao.